match emmerdant à jouer, c'est le match qu'il fallait pas perdre, et puis là c'est un piège quand même un peu, hein, Colomiers. Un piège, maintenant non, parce qu'on a gagné, on a les 4 points de la victoire, mais c'est vrai que c'était un match qu'il fallait pas prendre à la légère. C'était un match très compliqué parce qu'on sortait sur une belle performance de contre Grenoble, donc c'est toujours difficile de se remobiliser, donc ça, il faut qu'on soit plus fort sur ça, c'est que chaque week-end est un week-end différent. Voilà, donc on a joué une belle équipe de Colomiers. Il ne faut pas se fier au classement, voilà, c'est une équipe qui nous ressemble, qui envoie beaucoup de jeux, qui est fort quand même devant, donc je ne pense pas qu'on les ait sous-estimés. C'est vrai qu'on est tombé dans un jeu qui nous correspondait un peu moins bien, et c'est vrai qu'on a eu du mal à se défaire de cette belle équipe quand même. Donc l'important, voilà, c'est de retenir ces 4 points de la victoire, car ils étaient indispensables si on voulait continuer l'aventure, on va dire, espérer quelque chose pour le groupe, pour Mont-de-Marsan. Vous jouez une équipe qui produit moins, il y a plus de parasites dans votre jeu, il y a plus de fautes, et on vous sent plus timoré, comme fébrile. On a été plus fébrile, on a fait beaucoup de fautes techniques qu'on n'a pas faites le week-end dernier. Donc c'est sûr, avec tous ces problèmes, on peut mettre beaucoup moins de jeux en place. Voilà, il faut que ça nous serve de leçon, c'est que tout n'est pas acquis, c'est une remise en question permanente. Voilà, donc après, Colomiers se bat aussi pour le maintien, donc je pense qu'il joue les matchs à fond. Voilà, et ensuite quand on joue face à Grenoble qui était en haut de tableau, je pense que voilà, il faut qu'on se mobilise plus, qu'on se reconcentre, qu'on fasse moins de fautes techniques pour pouvoir emmagasiner le maximum de points et hausser notre niveau de jeu. Voilà, c'est à nous de produire, de mettre la pression sur l'adversaire et non le contraire. Vous n'avez pas l'impression, tu n'as pas l'impression que quelquefois vous vous faites un peu endormir, que ça devient, en rentrant dans un faux rythme comme ça, ça devient soporifique et que vous ne pouvez plus produire le jeu rapide et intense que vous produisez par ailleurs, notamment face à Grenoble ou à Aurillac. C'est vrai qu'on est tombé dans un jeu soporifique où il y a eu beaucoup de jeux au pied, même si au niveau des échanges on gagnait. On avait la possession et le terrain du ballon, le terrain je veux dire, mais ça suffisait pas parce qu'on n'arrivait pas à concrétiser notre temps fort. Après voilà, on a quand même su se remobiliser par rapport au buteur, que ce soit Antoine ou Thibault lorsqu'il est rentré. C'est vrai que ils ont, je crois, fait 100% au pied, donc c'est vrai qu'on peut compter sur ça. Ce week-end ils nous ont sauvé entre guillemets, donc j'espère que à nous aussi de créer plus pour on va dire pallier à ce déficit de points. Le championnat est fou, hein. Roche qui prend le bonus, Dax qui va gagner à lui. Que ? Ah, pour faire l'interview ? Oui, oui, oui.